fait une grande tranche de travaux de reprise des réseaux souterrains, eau potable, assainissement. Aujourd'hui, on passe à la voirie, c'est-à-dire l'aménagement de surface. Le chantier va se poursuivre par la pose des bordures. L'enfouissement des containers sera des containers à déchets enterrés pour le tri. Il y aura verre, papier et déchets. Et ensuite, tout doucement, on va mettre en place les arbres, les espaces verts et finir par les bétons désactivés. L'objectif du chantier, c'est que toute la partie qu'on voit derrière nous, la rue, l'avenue Charat, soit rendue pour Noël. Fin du chantier total, avril de l'année prochaine.